c'est l'heure de décalage horaire. Et oui, il fait froid, il fait gris et il pleut à Paris, c'est comme ça. Alors aujourd'hui, un programme bien chargé musicalement, puisque nous allons partir en voyage au travers des régions du Brésil et pour découvrir pas mal de nouveautés justement cette semaine. Plaisir d'accueillir dans les studios Jean-Luc Thomas. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Qui vient nous parler de la sortie de son album qui s'appelle Quer Laveo et qui sort le 1er février. On est un petit peu en avance, hein, c'est ça, la sortie officielle est dans quelques jours. Voilà, la mise dans les bacs, ça va être à partir du 1er février, tout à fait. Alors, avant d'en parler, avant de vous présenter notre invité du jour, eh bien, un petit florilège de Quer Laveo, l'album du jour. Thank you.
Nous sommes en direct sur Décalage Horaire, c'est le 106.3 en FM et sur www.rfpp.net. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jean-Luc Thomas, qui est avec nous pour cette deuxième partie d'émission à l'occasion de la sortie de l'album Kerlaveo, qui sort le 1er février 2019. Alors Jean-Luc Thomas, c'est un multi-activiste. Il travaille depuis de nombreuses années sur le terreau fertile de la musique traditionnelle bretonne. C'est vrai que ça s'entend. Et il est irrigué par les rencontres avec d'autres esthétiques, notamment le jazz, la musique contemporaine, et également d'autres cultures. Entre écriture et improvisation, il développe un langage qui lui permet avant tout de communiquer au fil de son parcours, sa curiosité pour les musiques populaires et aussi savantes. Et puis, les rencontres de musiciens et d'artistes de tout horizon stimulent en permanence son insatiable créativité. Alors, Jean-Luc Thomas, il est breton, et après avoir sillonné les routes de son pays, de la Bretagne, avec les groupes de Fesnoz, c'est important en Bretagne, les Fesnoz. Jean-Luc est parti sur les routes du monde. On l'a ainsi vu au Mali, en Kurdistan irakien, en Pologne, 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 en Polog
Merci et bravo. Et c'est vrai que je ne savais pas, pour ma part, qu'on pouvait faire autant de sons si différents avec une flûte traversière. Et c'est très instructif. Il y en a d'autres, il y en a encore d'autres. Beaucoup, beaucoup de secrets. Il y a des lions. Il y a des lions. Qui est un peu caché quelque part. Aucun doute qu'on peut communiquer dans le monde entier avec cet instrument. On écoute. En fait, je crois que la vie, c'est ça. On écoute et on essaie de reproduire beaucoup de choses comme ça. C'est juste à un moment se poser à un endroit, voir un peu ce qui s'y passe, comme apprendre une langue, comme apprendre à couper un oignon. Et puis se dire après, voilà, on apprend comment je vais le faire, quoi. Voilà. C'est très. Alors ça, c'est une flûte traversière, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Qui est adaptée ou elle est... Ah, du tout, non. C'est de la récupération. C'est un instrument qui... c'était la flûte qu'on trouvait dans les cours, dans la classe aristocratique des sociétés occidentales au 18e, 19e siècle. Et qui est donc en bois, qui est un cône, qui a beaucoup été travaillé, mais qui a un gros défaut, c'est qu'elle bouge beaucoup. C'est-à-dire que s'il fait 15 degrés, la flûte est à 15 degrés. Dès que je vais souffler dedans, elle va passer à 37 degrés, la température du corps. Et du coup, elle va bouger. Le bois va se dilater, la justesse va, etc. Donc dans les orchestres de musique classique, c'est un peu un souci des fois, que c'est des instruments qui ne sont pas très stables. Et donc la révolution industrielle est arrivée et on a travaillé sur des flûtes en métal qui déjà avaient réglé ce problème, qui sont toujours stables. Donc ces flûtes ont été mises à la poubelle par les aristocrates qui jouaient ces musiques-là. Mais ces aristocrates avaient des domestiques, parce qu'ils étaient très riches. Et ces domestiques, et généralement ces aristocrates étaient plutôt issus de pays colonisateurs. Et donc les domestiques étaient plutôt des colonisés. Donc on va retrouver ces flûtes en Irlande, parce que les domestiques étaient irlandais. Les domestiques des Anglais étaient irlandais, étaient palefreniers, femmes de chambre, cochers, cuisiniers, etc. Ils les ont ramenés en Irlande. Et elles sont arrivées ensuite en Bretagne très tardivement, dans les années 70 seulement, les premières flûtes arrivées en Bretagne. Mais on a retrouvé les mêmes flûtes à Cuba, avec exactement la même histoire. Le peuple s'est réapproprié des instruments que l'aristocratie ne voulait plus utiliser. La même chose en Martinique, etc. Ces flûtes en bois ont réussi à avoir une autre vie grâce aux musiques populaires. C'est très instructif, dis-moi. Écoute, ce que je te propose, c'est de revenir à Kerlaveo, de revenir à la sortie de cet album et d'écouter un extrait. Et tu nous as proposé d'écouter ce morceau qui s'appelle Bayon de Cinco. Alors Bayon de Cinco, c'est une composition de Gabriel Lévy, qui est le pianiste et l'accordéoniste de cette formation, qui est un grand, grand, grand compositeur de San Paolo, qui a dédié sa vie, alors le gars avec un nom pareil, Lévy, je pense qu'il y a une tradition qui vient d'Europe centrale, et des mouvements migratoires qui se sont opérés à un moment où il fallait que bouger d'Europe, ça devenait dangereux, périlleux. Et donc Gabriel s'intéresse à la musique des Balkans, beaucoup, s'intéresse à la musique japonaise, comme voilà, on est à San Paolo, on est vraiment dans la culture cosmopolite. Et donc il a composé ce morceau, un bayon, en principe c'est quatre temps, un bayon, c'est le rythme du foro. Et là, comme il est très subtil et très fin, il a fait un bayon des cinq temps. C'est en cinq temps ce morceau.